Hello tout le monde Alors aujourd'hui je voulais euh, <coughs> conclure cette semaine dans laquelle on a fait pas mal de, euh, pas mal de, de live stream en, en proposant un sujet que, que j'ai créé de toutes pièces en fait à travers euh, l'expérience que j'ai acquise du C et même d'autres langages de programmation. Et en fait ce que je vous présenter aujourd'hui c'est un truc assez particulier sur lequel j'ai un... Un sentiment assez particulier, c'est parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait, en faisant du C de façon assez avancée sur les dernières années. Quoi. Hello Didio34, hello les Ninja, toujours là, Seven Security. Euh, donc en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est euh, hello Witcher, c'est euh, essayer de vous montrer ce qu'on peut essayer d'aller piocher dans d'autres langages de programmation pour essayer de les ramener euh, dans le C. Euh, afin de pouvoir l'utiliser de façon un peu plus efficace. Et en fait, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en ce vendredi 13, ce sont les pointeurs intelligents. Alors en fait, là j'ouvre la page de Wikipédia, et dans la page de Wikipédia, on nous dit que, en informatique, un pointeur intelligent, smart pointer, c'est un type abstrait de données qui simule le comportement d'un pointeur en y adjoignant des fonctionnalités telles que la libération automatique de la mémoire allouée ou la vérification des bornes. La gestion manuelle de la mémoire dans les langages utilisant les pointeurs est une source courante de bugs. Donc, là, typiquement, en C, lorsqu'on est amené à utiliser euh, des pointeurs, ça peut être une source de bugs, et ça, vous l'avez déjà vu, en particulier les fuites de mémoire ou les plantages, donc euh, les, euh, les euh, six -haves. Et les pointeurs intelligents, en fait, ils diminuent ce risque en rendant automatique la libération des ressources. Quand le dernier pointeur vers un objet est détruit, par exemple, parce qu'il sort de portée, on verra ça tout à l'heure, l'objet pointé est détruit simultanément. simultanément pardon. Cela peut être implémenté par exemple avec le décompte de référence. Ou alors l'utilisation d'un ramasse miette permet de se passer de pointeur intelligent. Donc en fait, lorsqu'on a affaire à différents langages, pour essayer de résoudre ce problème de fuite de mémoire ou de plantage, etc., souvent on a soit un garbage collector, un ramasse miette, soit un décompte de référence. Euh, par exemple en Python, en Java, en JavaScript, euh, etc. On a un ramasse miettes en fait qui, euh, qui permet de, de, de gérer en fait, ces pointeurs, euh, ces, pointeurs euh, ces zones en mémoire qui sont allouées. Et puis à côté de ça, on a d'autres langages, typiquement en C et en objective C, où on a plutôt euh, la possibilité de faire du décompte de référence. Donc l'idée du décompte de référence, c'est de savoir combien de personnes, combien de fonctions, combien de variables sont en train d'utiliser cette zone en mémoire. Euh, pour pouvoir la libérer euh, si plus personne ne l'utilise. Donc là, je vous ai préparé un petit exemple qui permet de, de mettre en évidence cette situation. Et l'idée, en fait, c'est de recréer euh, ce décompte de référence en C en utilisant euh, des petits tricks, en fait, dans le langage. Quoi. Alors, oui, euh, Zex, c'est ton travail euh, Je ne comprends pas la question. Oui, très certainement. Euh, alors, donc l'exemple que, que je vous présente, là, on revient sur un exemple en imaginant que euh, on est en train de réaliser un, un serveur de jeu. Donc là, j'ai préparé du code. Euh, oui, le développement, c'est mon travail. Enfin, c'est mon travail. Je travaille, je suis développeur, effectivement. Donc, euh, ici, euh, là, je vous ai présenté un peu euh, de, quelques, quelques, petites, euh, quelques petits exemples. Et euh, dans l'exemple, en fait, je, je, je fais en sorte, là, je suis en train de réaliser, on va dire, un jeu qui comporte un serveur dans lequel il y a plusieurs euh, players. Alors, non, Wisex, oui, euh, j'étais indépendant et maintenant je travaille dans une école qui s'appelle Epitech. Et donc, euh, je suis en train d'implémenter un, une sorte de serveur de jeu dans lequel on va avoir plusieurs joueurs qui, qui se connectent à ce serveur. Et. Ces joueurs en fait, donc euh, ils peuvent se déclarer ici, on les crée, et puis on peut les ajouter à la liste de joueurs. Euh, player and shift, c'est pour ajouter les players en tête de liste. Et ma liste, là, mon player list, c'est euh, une liste chaînée. Et puis ici, je décide d'afficher le contenu de ma liste. Et puis là, je décide de détruire la liste. Et, euh, et là, de détruire les, 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 les players qui ont été, qui ont été créés. Donc, quand je regarde un petit peu en détail, comment est-ce que je m'y prends Donc, les players, vous voyez qu'on peut les créer ou les détruire. On peut afficher leur contenu. Euh, et puis, euh, on ne connaît pas. J'ai décidé de cacher l'implémentation de player. Il n'y a qu'en rentrant dans player.c qu'on peut savoir ce que c'est un player exactement. Donc, un player, il contient un certain nombre de points de vie. Et, euh, et puis, à côté de ça. Euh, le player, il a un nom et puis il pourra avoir d'autres possibilités. Donc ici, quand je crée un player, qu'est-ce que je fais bah, J'alloue le player de la bonne taille. Donc je récupère le, la taille de cette structure, je l'alloue et puis je la mets dans le self. Ici, je vais utiliser pas mal d'assert dans, dans tout mon code. Assert, c'est quoi Ça permet de faire planter le programme à, à cet endroit-là si jamais la condition n'est pas vérifiée. L'idée étant que je considère pour les besoins de mon programme que... Euh, si ma ne fonctionne pas à ce moment-là, j'essaye même pas de gérer ce cas-là. Euh, moi, je, je, je sais que ça va fonctionner, que le Maloc va fonctionner. Et euh, s'il ne fonctionne pas, je veux faire planter le programme au moment du développement pour essayer de, de, de m'organiser par rapport à tout ça. Toujours est-il qu'en prod, voilà, je, 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 je considère que ma va fonctionner. Bah écoute, euh, WizEx, euh, l'idée, c'est pas forcément euh, un cours. Là, là le, le truc, c'est que c'est de l'information générale qui peut être partagée avec d'autres personnes. Donc, euh, typiquement, c'est pas, pas vraiment un cours. C'est plus un, un échange d'informations. De, 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 donc, euh, si toi, tu es passionné par la programmation en C, que tu as envie de rejoindre, de, de, de suivre un peu ce qu'on se raconte là, bah écoute, tu es tout à fait le bienvenu. Donc, reprenons nos moutons. Euh, donc, mon player create, je crée mon player. Et puis je lui dis par défaut que son nombre de points de vie, il est de 200. Et à côté de ça, euh, à l'aide de strncpy, bah, je recopie le contenu de son nom vers le membre name de mon player. Et puis j'ai une fonction print qui sert à m'afficher euh, le, le, le statut du, du player à un instant T. Donc a priori, pour le moment, il n'y a pas vraiment de, de, de complexité là-dessus. Et puis j'ai mon playerlist.h. Euh, mon playerlist.h, en fait. Euh, lui il va me servir à euh, gérer ma liste chaînée de joueurs. Donc je peux la créer, je peux la détruire, et puis je peux and shift et unshift. Donc shift c'est ajouter des éléments. Euh, non, c'est uh, unshift c'est pour retirer des éléments de la euh, tête. Non, unshift c'est pour ajouter des éléments en tête de cette liste, et shift c'est pour retirer les éléments en tête de cette liste. Et puis là, j'ai une fonction print qui euh, me permet d'afficher euh, le contenu de ma liste. Lorsque je rentre un peu en détail, alors, vous voyez que j'ai séparé euh, mes nœuds de liste de euh, ma liste. En fait, ma liste, c'est ni plus ni moins qu'un player node euh, qui pointe sur la tête. Donc, dans mon player node qui pointe sur la tête, là, bah, finalement, je, euh, lorsque je crée ma liste, je la loue ici. Puis je lui dis que la tête, pour l'instant, elle me pointe sur nul. Lorsque j'ajoute des éléments... Euh, lorsque j'ajoute des éléments en tête, et bien en fait c'est à ce moment-là que je vais créer les nœuds. Donc je vais créer un nœud euh, qui contient player et la tête pour le next. Et puis euh, c'est ce nœud qui va devenir ma nouvelle tête dans ma liste. A contrario, lorsque j'essaye de euh, récupérer le premier élément de la liste, et ben je récupère le premier élément de la liste, je le mets dans un nœud, je récupère le player qui est associé, je le mets dans le player. Ma liste, sa nouvelle tête, ça devient c'est le, le next de mon nœud que je vais supprimer. Je supprime ce nœud et je renvoie le player que euh, j'ai réussi à récupérer dans ma liste. Et puis pour afficher ma liste, bah si ma liste il existe un élément dessus, je lui ben, je demande d'afficher le contenu de ce nœud. Et en fait tout le traitement de la liste chaînée va se faire dans des nodes ici. Donc un nœud c'est quelque chose qui a deux paramètres, un player et une node next. Et donc quand je crée ma node bah, je, je la crée avec un malloc, je lui assigne un player, je lui assigne un Next. Pour la détruire, bah, je fais ni plus ni moins qu'un free du, du, du nœud en question. Et puis pour afficher, lorsque j'affiche le contenu de ma liste, et bah en fait, tant que le nœud là il est, il est non nul, je récupère son prochain élément que je mets dans Next, je décide d'afficher le player qui est sur ce nœud là. Et puis je mets à jour ce self avec le next pour avoir une boucle et pour itérer sur chacun des, des éléments de, de ma chaîne. Donc a priori là jusqu'à maintenant, je fais une utilisation basique des listes chaînées, mais je ne vais pas vraiment rentrer en détail euh, là-dessus. L'idée étant de vous montrer un exemple dans lequel euh, on se retrouve dans une situation parfois un peu difficile à gérer lorsque on a affaire à des listes chaînées. Donc je vais lancer tout ça. Alors attendez, moi j'ai un Docker pour pour ça. Hop. Donc là, si je fais GCC-W-W-ALL-W-EXTRA-W-ERROR. Tous les points C. Et puis, je vais mettre un sanitize address Afin de voir si euh, j'ai euh, des, euh, des, des fuites de mémoire ou des, euh, des, euh, des choses qui se passent mal. Je lance. A priori, j'ai pas eu de fuite de mémoire. Et puis... J'ai bien mon player 1 qui s'est affiché. Donc vous vous souvenez, euh, je les ajoute en tête. Donc d'abord, je vais ajouter P2, et puis je vais ajouter P1 juste devant lui. Donc du coup, quand je les liste tous, je vais bien avoir P1 qui s'affiche avant P2. Donc on me dit que le player 1, il a 100 points de vie, que le player 2, il a 100 points de vie. Jusqu'à là, rien de bien sorcier. Quand on a affaire à cette situation, euh, il peut se passer en fait mille et un truc ici. Par exemple, ici, bon, on avait dit que mon euh, create, il allait forcément me renvoyer quelque chose de non nul. Mais imaginons. Que, euh, imaginons que ici j'ai une condition par exemple imaginons que j'ai une condition ici euh, alors attendez euh, imaginons que j'ai une fonction qui s'appelle check network là je suis en train de faire du réseau donc check network ok donc si le réseau il est actif eh ben je vais vouloir faire ça non il est pas si, si, euh, si le réseau n'est pas actif ok eh ben je vais vouloir sortir de ma fonction okay donc ici j'invente donc je suis en train de faire une fonction là qui, euh, qui n'existe pas mais euh, imaginons que dans le cadre de notre code j'ai une fonction qui fasse ça donc là, mon network il est actif. Lorsque je lance, vous voyez, bon, bah là ça marche. Mais imaginons que là j'ai une déconnexion et que mon serveur il est plus actif. Donc du coup, je peux plus ajouter des, des personnes en, en tête de liste et je décide de quitter mon programme à ce moment-là. Bon, dans la vraie vie, euh, c'est pas ça qui se passe, mais imaginons. Là, qu'est-ce qui va se passer lorsque je lance Bah là, on va me dire, euh, là il y a un memory leak en fait. Ici, t'as quitté le return là. Sauf que t'as pas libéré le player qui a été créé ici, ni le, enfin, la liste de joueurs qui a été créé ici, ni la liste des players qui ont été créés là, etc. Donc là je pourrais avoir quelque chose, je pourrais dupliquer ce genre de choses ici. Ok. Et puis je reviens. Et puis... J'ai oublié de mettre une accolade là. Hop. Donc là, ça remarche, voilà, j'ai réussi à relancer mon truc, donc vous voyez, là, j'ai pas affiché les informations liées au joueur parce que euh, j'ai quitté avant euh, ça, mais vous voyez que lors de, dans ce genre de situation, il faut pouvoir anticiper le fait que si on quitte prématurément la fonction, le scope, en fait, là, ça, là, tout ce qui est entre les... les, 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 les euh, les, les braquettes, là, les, euh, les, euh, les accolades, ça, ça s'appelle un scope d'exécution. Et ben, l'idée, c'est que quand je quitte ce scope d'exécution, j'aimerais bien que euh, P1 et P2 puissent être libérés automatiquement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un pointeur intelligent pourrait nous amener. Et puis, j'ai un autre truc aussi. Par exemple, imaginons que je mette en. Euh, pourquoi, tu, pourquoi tu as mis des accolades dans le vide entre player list and shift et print euh, C'est parce que je voulais mettre... Là, est, euh, ce bloc, il n'est pas forcément nécessaire. C'était juste pour euh, me dire qu'à l'intérieur de ce bloc-là, j'ai un player euh, qui est actif. Mais effectivement, je pourrais le garder comme ça. Il n'y a pas de raison particulière, euh, Mythixo. C'était juste pour mettre en évidence que dans ce bloc-là, j'avais bien un player, et qu'à la sortie de ce bloc, il fallait que je pense à le détruire. C'était juste ça que euh, j'essayais je, de faire à ce moment-là. Mais rien n'est obligatoire dans ce bloc. Euh, une, autre, une, autre, euh, une autre chose qu'on pourrait réaliser, c'est peut-être, j'aimerais bien avoir une fonction qui s'appelle player, euh, player with name. Et en fait cette fonction, elle prend directement le nom du player. Ok Player3. Et en fait cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait Contrairement à unshift, elle va d'abord créer le player et elle va l'ajouter dans cette liste. Donc imaginons que je crée cette fonction. Donc ça, with name. Et là, du coup, elle ne prend plus un player. Elle prend un euh, const char étoile name. Ok. Et ici, il faudrait que je la rajoute quelque part. On va l'ajouter juste au-dessus de celle-là. Ok. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est à peu près ça. D'accord mais ah oui alors je vais je vais même lui faire en fait ce que ça fait ça fait un, un player list unshift d'un player alors de players players de self et player create qui prend un name alors vous voyez là dans dans les règles là, de, dans les conventions que j'utilise euh, à chaque fois je travaille en module en fait dans euh, toutes les euh, là dans mon module player toutes les fonctions vont s'appeler player underscore quelque chose. Et je vais avoir un player underscore create et destroy qui vont servir à créer et détruire une instance de ce player. La create, c'est la seule qui n'a pas d'argument player dans son nom. Et toutes les autres, elles ont un player en premier paramètre. Et ce premier paramètre, je l'appelle tout le temps self pour me dire, bah voilà euh, l'objet sur lequel je suis en train de, de, de travailler. Quoi. Donc ici, si je reviens ici, j'ai mon player on name qui prend. Un pointeur sur ma liste et qui prend un nom et qui va finalement faire un player list shift dans cette liste, mais avec ce player qui a été nouvellement créé. Et en fait, ici, si je recompile et que je lance, et eh ben, il me dit euh, là, j'ai un memory leak. En fait, le memory leak, c'est quoi C'est que le player qu'on a créé là, le player. Alors attendez, si je rajoute des g pour qu'on ait des infos sur des lignes, il me dit que là, le player que j'ai créé, ligne 29. Donc, qui a été créé ligne 29. Voilà. Le player qui a été créé ligne 29 dans player.c, euh, qui a été créé depuis un appel à la ligne 84 dans playerlist, euh, machin. Donc, ce player qui a là, euh, il a été créé, mais il n'a pas été désalloué. Donc, ce, ce player-là, si je, si je l'appelle player ici, j'ai un t player Et ici, bah, l'idée c'est... Euh, comment est-ce que je le destroy quoi À quel moment je vais le destroy Je pourrais prendre comme choix de me dire bah, à chaque fois que je pète une. Euh, à chaque fois que je vais unshift. à chaque fois que je vais. pardon. à chaque fois que je vais détruire la liste, bah, au moment de détruire ma node, eh ben, je pourrais détruire. Euh, donc mon node destroy. à chaque fois que j'appelle un node destroy, bah, je pourrais faire un, un truc comme ça. Player... Alors, player... Euh, player... Destroy... Self... Player. Ok. Mais du coup, ici, si je relance... Bah, il me dit, euh, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a des doubles free. C'est-à-dire qu'en rajoutant cette ligne ici, bah, du coup, il faut que je les vire de là. Donc, finalement, je suis toujours dans une situation où je me dis, mais à quel moment, finalement, je détruis ce player euh, est-ce que je le détruis ici ou est-ce que je laisse la destruction de la liste s'en charger Si c'est la destruction de la liste qui s'en charge, bah, du coup, le player, si j'ai envie de le mettre dans deux listes, c'est-à-dire euh, la liste des joueurs qui sont connectés dans cette room et la liste des joueurs qui sont connectés sur le serveur. C'est-à-dire que sur le serveur, il y a tous les players qui sont connectés dessus, mais certains players sont dans une, dans, dans une room et d'autres players sont dans une autre room. Donc finalement, tout ça devient assez compliqué et l'idée, c'est de se dire bah moi, ce que j'aimerais, c'est. Euh, au final, tu vas faire une factory. Euh, non. Alors, en fait, au final, ce que j'essaye je de mettre en place, ça va être un pointeur intelligent. Un pointeur intelligent qui va implémenter un décompte du nombre de références qui sont, qui, qui pointent sur ce, sur ce, du nombre de variables qui pointent sur cette zone en mémoire. L'idée, c'est que bah, P1, P2 et players, je vais dire, ça ce sont des adresses en mémoire. Et ces adresses en mémoire, je vais les, je vais les, leur assigner un compteur. Ce compteur, par défaut, je vais l'initialiser à 1. Et à chaque fois que d'autres euh, variables vont l'utiliser, je vais incrémenter ce compteur. Et à chaque fois que des variables se mettent à libérer cet espace de mémoire, je vais désincrémenter ce, ce compteur. Et dès que j'ai fini de désincrémenter le compteur et que le compteur retombe à 0, je sais qu'à ce moment-là, je peux free ma ressource. Donc voilà ce que je propose de faire maintenant. Alors, ça, je vais commenter ici. Enfin, je ne vais pas commenter, ça, je vais effacer. Et je vais vouloir avoir un fonctionnement comme ça. Donc là, je relance. Et je vais essayer de mettre en place quelque chose qui va faire en sorte qu'on jarte là ce memory leak. Donc, je vais créer... Euh, je vais créer un... Euh, je vais créer du coup une... shrptr.c et .h Donc... Ce fichier shrptr.c.h ça va être ma lib qui va me permettre de manipuler, donc ça va être ma structure de pointeur intelligent qui va me permettre de, de gérer ces pointeurs là de manière un peu plus fine. Quoi. Donc if and def, donc là j'essaye de if and def shrptr.h euh, voilà et puis un diff là. Oups, pardon. Voilà. Donc, dans ce shrptr.h, euh, je vais avoir euh, principalement, commençons par trois fonctions. Une première fonction qui va venir en lieu et place du malloc. Donc, cette fonction, elle va s'appeler shrptr create. Et cette fonction, elle prend une taille. Elle se comporte en fait comme le malloc, mais pas exactement comme le malloc. Elle prend une taille, donc c'est une taille de zone en mémoire à créer, et prend aussi un pointeur sur une fonction. Éventuellement, elle prend un pointeur sur une fonction qui va me permettre d'appeler une fonction au moment où on détruit le, le, cette zone en mémoire. Bah je vais appeler automatiquement une fonction qui va euh, aussi euh, gérer cette destruction de choses en mémoire. Donc, ici, j'inclus un def pour avoir mon size ici. Et je vais avoir deux autres fonctions. Mes fonctions qui s'appellent shrptrretain okay. et release. Donc, SHRPTR, ça va me créer une zone en mémoire. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Et puis, Retain et Release, ces deux fonctions-là, en fait, elles vont me permettre d'incrémenter et décrémenter un compteur. Et le Release, une fois qu'on a, euh, qu a décrémenté le compteur et qu'il tombe à zéro, c'est à ce moment-là qu'on va appeler la fonction de libération de la mémoire. Alors Rafi, en fait, l'idée là, on est juste en train de faire un pointeur intelligent. J'ai juste montré des, des, un petit main ici avec une liste chaînée de players, avec des players qui sont créés. Et, et l'idée étant, c'est de mettre en place un pointeur intelligent qui va me permettre de manipuler toutes ces zones de mémoire de façon un peu plus sûre. Plus, 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 plus Donc, je reprends un peu mes notes ici. Alors... Je vais commencer par include mon shrptr.h. Voilà. Et là, je vais commencer à. Alors ici, je sais que je vais avoir besoin de deux include. Assert, parce que assert c'est vraiment le, le, le truc que j'utilise le plus. Franchement, c'est euh, le jour où vous comprenez ce que fait assert, euh, c'est à utiliser sans aucune, euh, sans, sans aucune, limite quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais déclarer une structure euh, shrptr. Okay. et dans cette structure c'est là où je vais avoir des informations sur la mémoire que j'alloue mais aussi sur euh, le, les compteurs euh, de, euh, sur les compteurs de, de, de nombre d'objets qui pointent sur cet objet là quoi. donc j'ai un count, donc ça c'est un compteur que je vais incrémenter ou décrémenter à l'aide de re retain et release j'ai un, un pointeur sur une fonction qui est un destructeur que je vais appeler detor pour destructor Okay. Merci euh, Axe Bibling pour ton follow. Euh, ou alors, où est-ce que j'en étais Deux petites secondes, je remets un peu mes notes là devant. Donc, j'ai un compteur, donc ça c'est le nombre... Enfin, euh, je vais incrémenter, décrémenter ce compteur. Ce compteur, lorsqu'il arrive à 0, eh ben, par défaut, je vais appeler cette fonction-là qui va libérer la mémoire. Et puis, je vais utiliser un trix. Alors, ce trix-là... C'est un truc que j'ai trouvé dans, dans, les, euh, dans, dans la libcore audio de macOS. Euh, C'est un truc qui est vachement utilisé en fait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, enfin beaucoup de temps. Je n'ai pas compris tout de suite en fait à quoi ça servait. Et vous allez voir cette écriture là, elle est hyper affûtée. Le fait de terminer une structure par un tableau qui contient un caractère, vous allez voir là dans un instant ce que ça donne. Donc Ici, je vais fabriquer ma fonction shr create. Donc là, j'ai mon destructeur. Ici, je pourrais le nommer. Alors, je pourrais mettre à cet endroit, à cet endroit, je pourrais mettre euh, ce truc-là comme ça. Pourquoi je mets un void d'étoile c'est parce que vous verrez plus tard, je n'ai pas envie de recaster euh, systématiquement euh, ce truc. Donc là, là, moi, je dis que c'est un void d'étoile, Mais je sais qu'à chaque utilisation, il faut vraiment que je lui passe un pointeur sur une fonction euh, qui prend un pointeur et qui renvoie rien. Donc, ici, moi, je vais essayer de créer mon pointeur intelligent. Donc, tshrptr. Ok, moi, je vais l'appeler self. Je vais garder la même idée. Et en fait, ce self, je vais faire quoi Je vais faire un malloc de la taille de ce tableau, ok, donc de self, plus size, moins 1. Alors qu'est-ce que ça va faire, ce truc Lorsque je vais allouer cette zone en mémoire, donc attendez, je me suis trompé, c'est un size-off ici, qu'est-ce qui va se passer Là, normalement, lorsque je veux, je veux allouer une, mémoire, une zone en mémoire grande, enfin, lorsque je vais allouer cette structure-là, je fais juste un euh, size-off de cette structure. donc je fais juste un size off j'étais en train de lire un peu les commentaires je, je fais juste un size off de cette structure mais si je fais un size off de cette structure je me retrouver avec une structure grande comme un size T un pointeur sur fonction et un caractère mémoire sauf que cette zone en mémoire si je l'agrandis de size moins 1 et bien ici je vais avoir size moins 1 char octet on va dire Si je fais un malloc de tout ça, bah, je vais me retrouver avec euh, quelque chose gros comme ça en mémoire, suivi de size moins 1 octet utilisable. Sauf que self slash, enfin flash memory, ça me donne directement l'adresse de ce truc-là. Et donc en fait, ce malloc, ça me permet de créer une zone en mémoire dans laquelle je vais pouvoir renvoyer le, euh, le, le self flash memory. Et c'est ce truc-là que je vais renvoyer, vous allez voir. Donc mon self. Donc là, je mets un assert. Moi, je, je considère que le malloc a marché. Et s'il ne marche pas, je veux être au courant pendant le développement de mon programme et pas euh, sur le runtime. Je considère que par défaut, ça, ça va marcher. Donc je veux faire planter le programme en mode dev à cet endroit-là si le malloc n'a pas fonctionné pour essayer de comprendre. Donc là, j'ai mon self. Mon count, il vaut 1. Par défaut, je dis que bah, si quelqu'un fait appel à cette fonction create c'est que derrière je vais récupérer ça dans une variable et du coup une variable est en train d'utiliser cette zone en mémoire donc cette variable comme il y a une variable qui est au moins en train d'utiliser cette zone en mémoire j'initialise le count à et puis j'initialise le ptr à la fonction destructor ok et je renvoie pardon self et cette fois ci je renvoie self flèche memory c'est-à-dire que là, je viens de créer une zone en mémoire dans laquelle j'ai initialisé un count, un pointeur sur mon destructeur, mais à la personne qui appelle cette fonction, elle, je vais juste lui renvoyer le début de cette zone de mémoire dans laquelle elle va pouvoir faire son traitement. Et en fait, toute la subtilité est là. C'est que je vais créer une zone en mémoire un peu plus grande que, que la zone dont j'ai besoin, mais au début de la zone, je vais lui rajouter des informations qui vont me permettre de gérer mon pointeur intelligent. Et en fait, derrière, mon utilisateur, l'utilisateur de cette fonction récupère finalement cette adresse-là. Et à un moment donné, à partir d'une adresse de type self memory, elle va me demander d'incrémenter ou de décrémenter euh, le nombre d'utilisations de mon pointeur intelligent. Donc je vais avoir besoin des fonctions retain et release. Donc je vais appeler ça memory ici pour, pour que euh, memory... Okay. Donc, l'utilisateur, la fonction qui va faire appel à euh, shr retain, eh ben, elle, elle va me donner un truc comme ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à partir de cette adresse-là, je sois capable de recalculer où se trouve le self en mémoire. Donc, pour pouvoir le faire, il faudrait que j'ai une fonction qui fasse un truc du style euh, tac self euh, shr. SHR Get. Donc je vais faire une fonction mais get. Ici cette fonction elle n'est pas visible de l'extérieur. Donc tshrptr, shrget. get euh, void étoile memory. Okay. Et cette fonction shr get c'est à partir de memory. J'essaye de savoir où se trouve euh, le, le, le. à partir de cet endroit-là, à partir de cette adresse-là, je voudrais savoir où se trouve le pointeur qui pointe au début de la structure. Pour pouvoir y arriver, il y a un utilitaire, en fait, qui permet de le faire. Euh, une macro qui permet de le faire dans, dans. qui permet de le faire, en fait, dans, dans la lib. Donc, ça, normalement, si j'arrive ici, j'ai forcément eu, euh, une mémoire qui est nulle. Et donc, je vais réussir à le récupérer. Vous allez voir comment. Donc. Je vais faire Memory moins. Donc Memory, c'est une adresse en mémoire. Moins l'offset. Donc où se trouve Memory dans cette structure Ça, offset off. Offset off, en fait, c'est une macro qui, lorsqu'on lui donne le nom d'un membre d'une structure et le type de la structure, elle est capable de savoir où est-ce qu'il se trouve ce membre de la structure. Elle est capable de savoir c'est quoi son décalage en adresse. Et son décalage en adresse, si je le soustrais à cette adresse-là, bah finalement je réussis à retomber sur le bloc T de type tchrptr. J'espère que c'est clair pour vous. Donc ça, je mets parenthèse parenthèse et je le caste ici. Donc à partir de la mémoire qu'on a renvoyée ici, je suis capable de refabriquer l'adresse qui contenait cette mémoire-là. Donc je suis capable de refabriquer le self. Et lorsque je fais un retain, bah, je fais ni plus ni moins que count plus égale 1. Okay Donc euh, je suis juste en train d'incrémenter le count. Et ici, on va voir un peu pourquoi, mais euh, la memory, s'il est nul, bah, je ne vais rien faire. Et par défaut, mes fonctions retain et release, elles renvoient par défaut mon ma memory. Okay et release. Bah du coup elle va faire à peu près la même chose. Donc je copie-colle ça. Elle va faire à peu près la même chose. Donc si le bloc de mémoire que je lui donne il est nul, je renvoie nul. Hop, je me fais agresser par un moustique. Et sinon, alors ici, lorsque je suis ici, je vais faire un assert. Si je suis là, j'ai forcément le count qui est supérieur à 0 Ça c'est sûr quoi. Donc si je suis là... Je vais décrémenter mon count et là maintenant je vais faire un truc. Si le count il vaut 0, alors en fait qu'est-ce qui se passe Si mon count il vaut 0, bah alors à ce moment-là, ce que je vais faire. Alors attendez, si mon count il est différent de 0, on va le faire, on va le faire comme ça. Si mon count il est différent de 0, je ressors de ma fonction et je renvoie memory. Okay en revanche, si mon count à cet endroit-là il est à 0, c'est-à-dire que. Il y a quelqu'un qui vient de faire un release sur cette zone de mémoire et c'était la, la dernière personne qui avait besoin de cette zone de mémoire. Donc, la dernière personne qui fait appel à SHRPTR release, c'est la dernière personne qui a besoin de cette zone de mémoire. Du coup, il faut qu'on puisse libérer la mémoire. Donc, pour pouvoir libérer la mémoire, bah déjà, je vais vérifier que, euh, que. On avait un destructeur. Merci, Dalkai. Euh, Dalkai. Dalkail, pour ton follow. Donc. Je vérifie si l'utilisateur avait proposé un destructeur. Bah déjà je vais le lancer. Okay. Je vais lancer ce destructeur sur ma memory. Et puis une fois que j'ai fini ça, bah, je vais free ma memory. Euh, je vais free mon self. Et là, je vais renvoyer nul parce que on n'a plus besoin de la mémoire. Donc je viens de mettre en place cette structure. Voilà. Je viens de mettre en place cette structure SHRPTR qui va me permettre de gérer de façon... Un peu plus intelligente, euh, c'est euh, 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 mes zones en mémoire. Donc, euh, Rafik, là, c'est quoi Memory-size-off, euh, machin euh, Ça, là Memory-size-off. Ce truc Memory, c'est une adresse en mémoire. Offset, offset-off, je lui passe un type, je lui passe le nom, donc je lui passe un type qui est une structure en premier paramètre, et je lui passe le nom d'un membre dans une structure. Et offset off, il est capable de me dire, bah memory, si tu veux, dans la structure, il se situe à l'adresse euh, 8 et 8. Il se situe à l'adresse 16. Parce que ça, ça prend une, une size de 8. Ça, ça prend une size de 8. Donc il sait que ça se situe à l'adresse 16 dans ma structure. Sauf que ça, ça se situe à un espace en mémoire. Je lui retire les 16. Et comme ça, je retrouve euh, où se situe mon euh, SRCHRPTR qui me permettait de gérer ce, cette memory-là. J'essaye de récupérer le self. À partir du self flash memory ici. Ah ok, pardon. Euh, ah oui, c'était une réponse. C'était une réponse, effectivement. Je comprenais pas. Oui, en fait, ça arrivait avant que je l'écrive. Euh, alors, mais écoutez, là, on est bien là. Déjà, on commence à avoir quelque chose euh, d'assez affûté. Et si tu le déclares en simple char, ça marche quand même. Euh, je ne comprends pas la question. Mais euh, je, vais avancer, je vais avancer. Alors, ici, maintenant, ce que je voudrais. Euh, bah on, on a, euh, si le memory, je le déclare en simple char. À un moment donné, moi, tout ce que je veux, c'est d'essayer de retrouver. Euh, euh, J'essaye de retrouver un pointeur sur ça à partir d'un truc comme ça. Quoi. Donc, euh, là, je vais essayer maintenant d'utiliser ça. Donc, essayons de l'utiliser. Donc là, je vais plus. Non, ici, je peux pas. Alors, alors, voilà. Ça, c'est une bonne question. Ici, je peux pas avoir un char 1. Parce que char 1, euh, ici, memory, ça vaut bien une adresse. Memory, c'est bien une adresse là. C'est bien un truc qui fait euh, 8 octets en mémoire et euh, qui, euh, qui, euh, qui gère cette place là. Alors que char 1, c'est juste un octet qui fait un octet en mémoire. Et du coup, dans memory, on n'a pas une adresse, on a un code ASCII. Quoi. Donc, je vais essayer de terminer rapidement. Donc maintenant, je vais utiliser... Plutôt que d'utiliser des, des mallocs dans euh, mes player, player list, eh ben, je vais utiliser euh, mes, euh, mes SHR, euh, machin, quoi. Donc, mes destroy, ici. j'ai plus besoin d'avoir des destroy. Les destroy, maintenant, ils, ils ne s'appellent plus de l'extérieur. De l'extérieur, on n'a plus, plus de destroy. On appelle juste des... Euh, on appelle juste des SHR retain ou release. Alors SHR ptr, ok. Donc ici, je ne vais plus utiliser mylock, je vais utiliser un create. Et puis là, bah, vous voyez que euh, ma fonction destroy player, bah, finalement, elle ne fait rien de plus, elle n'essaye euh, elle pas de clean quelque chose en particulier là-dedans. Donc finalement, j'en ai plus besoin de cette fonction. Puisque ça va être le SHR euh, PTR euh, release qui va s'occuper de free les structures qui ont été allouées ici. Donc là j'ai ça. Ok. Pour le, pour le coup, dans Player, je n'ai pas grand-chose à modifier. Ah, merci Lucas pour le follow. Enfin, si c'est Lucas, quoi. Sinon, merci Rinoa300. Et là, donc je vais réutiliser mon SHR PTR. Oh là. Hop. Alors attendez. Donc là, j'utilise mon shrptr. shrptr ici. Et là maintenant, on va essayer de voir à quel endroit on va remplacer tous nos create, tous nos machins. Donc, euh, dans ma liste player list, alors dans ma liste destroy, ici, si je fais un shrptr create, euh, ok, je vais avoir besoin de la fonction destroy. Et la fonction destroy, je la mets en statique pour qu'elle ne soit pas visible de l'extérieur. Et ici, je la vire de là pour qu'on ne l'utilise plus directement. Donc, la fonction create, elle, euh, la fonction playerlist create, elle appelle SHRPTRCreate create en lui disant, bah voilà un destroy euh, qu'il y a là. Et le destroy, qu'est-ce qu'il fait euh, Au moment de se détruire, qu'est-ce qu'il va faire ici Alors attendez, je, pour pas m'embrouiller, je vais suivre un peu avec mes notes aussi, pour être sûr de ne pas faire durer le suspense en longueur. Um, ok donc là a priori il n'y a pas grand chose qui se modifie donc, donc mon create il va um, il va appeler un, un player list destroy et le player list destroy il va réappeler finalement tous ces trucs là sauf qu'ici j'ai un release maintenant je dis plus je dis plus je veux détruire la node je dis juste je veux la release et si je suis le dernier à la release et ben c'est à ce moment là qu'elle sera détruite donc, ici, j'ai mon release qui est juste là. Player create. Vous voyez que là, je le crée ici, je le continue de l'utiliser. Donc, là, maintenant, je, fais, je peux faire un SF release à cet endroit-là, du player. OK Donc, là, je crée mon player ici. Je le passe à mon end shift. Et là, je le release. Sauf que. Vous voyez que le unshift, bah vous, vous verrez un peu tout à l'heure. Donc là, mon player un shift lui, il fait rien. Il appelle des players create. OK, pourquoi pas. Euh, et puis, ici, mon player list shift, il ne va plus faire de destroy il va faire des release. OK. Et mon print, il va continuer de print. Donc vous voyez que maintenant, j'arrête de dé détruire les trucs. Je dis juste, je crée ma zone en mémoire. Et puis. Euh, je vais faire des releases si jamais j'ai besoin je, pour indiquer au système que j'ai plus besoin de ces variables là. Donc là, le, le player, comme je l'ai créé ici, bah, je le release comme ça ici. Et maintenant, je vais aller faire les modifs qu'il me faut dans la partie node. Et dans la partie node, vous verrez que c'est là où il y a toute la subtilité du truc. Donc là, j'ai un create. Ici, le create, j'ai besoin de player node destroy. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe Mon player create, je vais, je prends, je récupère le pointeur sur player et sur next, et je vais les associer ici. Donc ici, en fait, c'est le bon moment pour lui dire retain. Le player retain, je dis, bah là, je vais incrémenter, je vais demander au système d'incrémenter le nombre d'utilisateurs de ce truc-là. Pour pouvoir ici, les release. Hop. Voilà, donc tout ce que j'ai retain ici, bah, je, le release, je le release là. Donc je fais juste indiquer au système que j'ai besoin de tout ça. Et normalement, on ne devrait pas être très loin de la fin. Et là, à la place des destroy, je fais des SHR. Alors là, il faut que je l'incluche. Hop. On a bientôt terminé. SHR release. Je recompile tout ça. Il y a un truc qui a merdouillé. Euh, alors, il y a un truc qui merdouille ici. SHR release, PTR destroy. Alors, attendez, je compare avec mes notes, voir si j'ai pas oublié quelque chose. SHR PTR create, notre destroy, self. Ok. Donc dans le print je fais juste que de print les choses. Dans mon player list destroy, je fais juste que de propager les releases que je faisais là. Là j'ai bien create. Là j'ai bien un nul. Là j'ai bien create. Euh... Attendez, shift with name. Ok, là j'ai bien create machin. Deux petites secondes. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça. Ok. Dans le doute. Euh, ok, tac, tac. Donc là j'ai mon SHRPTR release. Ok. J'ai mon node. Shift. Ok. Deux secondes. J'essaye juste de traquer où se trouve mon dernier bug. Vous Savez quoi Je vais pas me prendre la tête. Je vais. Euh... Désolé. C'est la solution de facilité. Ah! Oh. C'est une facilité, oui ou non. Parce que, ça pas parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai merdé un copier-coller de quelque chose. Ah, bah oui. Évidemment, parce que j'ai copié-collé le mauvais truc. Pardon. On va repasser sur les fonctions. On va repasser sur les fonctions. On va repasser sur les fonctions. Ne vous inquiétez pas. Ah, ah <coughs> SHRPTR release. Est-ce que j'ai raté quelque chose, ici Alors, ah, attendez. Il me dit que c'est dans quoi c'est dans mon main, ligne 27. J'ai un overwhip. Ah, mais oui, 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 je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Super à 0, voilà, c'est ici. SHRPTR, ligne 57. PTR count. Donc, à un moment donné, je fais un release de trop dans mon code. Bah, attendez, ce que je vais faire, c'est que. Je vais faire, Désolé, je, en fait je ne veux pas vous montrer le main à la fin parce qu'il y a une petite surprise dedans. Donc c'est pour ça que ça me kikine un petit peu. On va repasser sur toutes les fonctions tranquillement tout à l'heure. Clear.h. Désolé. Je suis sûr qu'en plus ça doit être juste une merdouillade qui traîne quelque part. Et que j'ai pas réussi à retrouver. Hop. Hop. Voilà, ça on va le commenter donc deux secondes ici ici on reprend un peu le, le truc donc là j'ai bien SH... donc j'ai bien remplacé dans mon node euh, un shrpetr create avec euh, le destroy ici là je fais des retain sur les, euh, les players et, euh, et le next du coup je fais des releases sur ces choses là le print lui il change pas Là, dans mon create de liste, bah, j'utilise plus ma j'utilise create, mais je lui passe le nom de la fonction qui va me servir à détruire. Le nom de la fonction qui va me servir à détruire, elle va boucler sur l'ensemble des nodes depuis la tête et appeler des PTR, release en boucle. Le unshift name, bah, du coup, il crée un player, il le rajoute dans ma liste de players et il le release. Et euh, ça, ça ne change pas. Ça. Quand je supprime un élément de balise, bah, je le release. Donc typiquement, des players qui ont été euh, ajoutés ici, ils peuvent être released soit là, soit dans la destruction de la node. Et puis le print ne change pas. Donc, quand je reviens ici et que je relance tout ça, bah, vous voyez que le fait d'ajouter ce truc-là fait que j'ai. Euh, que je les ajoute comme ça ou que je les ajoute comme ça, maintenant, on arrive à gérer cette situation où on ne sait pas trop comment. Euh, comment opérer euh, cette, cette chose-là. Donc là, on, on, enfin, comment gérer la, la suppression de ces choses Donc là, on arrive à le gérer parce qu'on met des pointeurs intelligents. Et là, je voudrais conclure et terminer par un dernier truc. Là, c'est bien beau tout ça, mais on s'était dit tout à l'heure que si là, j'ai quelque chose qui gère ma connexion et qui me dit, bah là, je fais un return et que je relance. Et ben là, il me dit euh, bah si tu return ici parce que tu as perdu ta connexion internet et que euh, on est sorti de cet endroit-là, et ben j'ai toujours mais euh, j'ai toujours mes, mes, mes memory leak euh, ici parce que euh, le P1 P2 et le player qui ont été créés ici, bah ils, ils sont plus euh, ils pas été désalloués. Et donc et c'est là où rentre en scène un autre truc que j'ai découvert aussi il y a quelques années euh, en me disant en, en faisant des recherches en fait. Il y a des attributs but GCC. Donc les attributs GCC, il y a des fonctions, il y a des attributs de fonctions et des attributs de, de, de variables. Et il y en a un, un attribut qui s'appelle cleanup. Et cet attribut cleanup, GCC cleanup attribute. Si on regarde un peu machin, donc ça s'utilise comme ça. Un attribut sur une, sur une variable, c'est quelque chose qui se met juste devant la variable. Donc si devant la variable, je lui mets ça et un nom de fonction, ici, et eh bien, euh, quand on va sortir de notre fonction, cette fonction, elle va être appelée avec un pointeur sur l'attribut. Donc moi, je vais créer une fonction qui s'appelle shrptr cleanup. Cleanup, ok. Et shrptrcleanup, je vais la mettre ici. C'est une fonction qui prend un pointeur. Okay. Et en fait, ça prend un pointeur sur la variable. Donc ça, euh, quand main va sortir, il va appeler cette fonction shrptrcleanup en lui passant l'adresse de P1. Donc on va récupérer l'adresse d'une zone de mémoire. Enfin, l'adresse de l'adresse euh, d'un pointeur. Enfin, l'adresse d'un pointeur intelligent. Donc, je vais implémenter ce truc ici. SHRPTR cleanup. Bah, vous voyez, elle est implémentée ici. Donc, je récupère l'adresse. Donc, ça, je considère que c'est l'adresse de l'adresse de quelque chose. Je le récupère là. Et je lui fais un SHRPTR release en déréférence ce truc pour retomber sur mon, mon pointeur intelligent. Donc, lorsque je fais ça, bah, du coup, imaginons que ça, je commente. Et du coup j'ai plus besoin des releases qui sont là. Je vais relancer. Hop Vous voyez que là, j'ai réussi à avoir euh, quelque chose. Donc même si je fais un return là. Même si je fais un return là. Vous voyez, j'ai pas de memory leak. Bah vous voyez que là, en lançant, bah, j'ai pas mes player 1 qui s'affichent. Mais j'ai pas de memory leak parce qu'en fait, en sortant de la fonction main, main va appeler directement cleanup, cleanup il va appeler des, euh, des releases et les releases vont finir par tomber sur le fait que plus personne n'utilise ces variables donc ils vont finir par appeler des free, etc. etc. Et je vais terminer en vous faisant, j'imagine, la macro de la semaine parce que euh, quand on aime bien programmer en C, bah, on aime bien faire des jolis macros et donc la macro que je vais vous proposer, c'est un truc qui va essayer de faire quelque chose de joli comme ça donc. Je vais faire la, notre jolie macro. Donc la macro, comment elle va se définir et ce sera terminé. Donc ma macro, je vais l'appeler make shrptr. Donc ceux qui ont fait du C, ils comprennent ce que je suis en train d'essayer de faire ici. Donc cette macro, elle va prendre... Euh, donc c'est une macro variadique, faisons-nous plaisir. Donc les macros, elles peuvent prendre un certain nombre de paramètres. Donc le type de la fonction, le type de ma variable, son nom, et puis... Des, des choses euh, variadiques quoi et en fait qu'est-ce que ça va faire ça va reprendre ça ok sauf que tous les endroits où j'ai player ok donc je vais faire tac tac name name tac tac alors va et ici alors, non, je me suis trompé, ça c'est type. À chaque fois que je vais appeler cette macro, ça va m'écrire la ligne suivante, attribute, machin, cleanup, bidule. Et ça va m'écrire t underscore le nom de mon type, espace, euh, étoile, le nom de ma variable, espace, le nom de mon type euh, suivi de underscore create à qui je passe tous ces éléments qu'il y a là. Et vous voyez ce que ça va donner. Donc, si je fais un truc comme ça. Hop. Donc, on a ça. On a ça. On a ça. Et voilà, j'ai créé mes pointes intelligent Donc, là, je veux créer un P1 qui est de type player en lui passant ça dans des arguments. Donc, qu'est-ce que ça va faire Ça va déclarer une, une, une variable. T underscore player qui va appeler la fonction player create avec ça comme argument. Pareil pour P2. Ça, ça va me créer un pointeur sur T player list qui va être créé à l'aide de la fonction player list underscore create qui prend aucun argument. Et voilà, on se retrouve avec des pointeurs intelligents, avec une syntaxe qui est euh, pas trop dégueu. Et, euh, et voilà quoi. Donc, voilà un petit peu euh, ce que, ce que j'essayais de vous, euh, vous, vous présenter. Je pense que Rafik, là, ça, ça te fait plaisir. J'espère que vous allez réussir à réutiliser tout ça. Mais voilà, l'idée c'était... Euh, euh, je voulais euh, faire ce vendredi 13 un petit peu euh, en, en vous présentant... Alors euh, là, moi, personnellement, je suis au max de ce que je sais du, du C1. Euh, genre, euh, alors, il y a plein d'autres trucs euh, que je connais, mais... C'est franchement, le... moi, quand j'ai découvert ce truc-là et que j'ai commencé à expérimenter, à faire des trucs avec mes attributes, mes, mes pointeurs d'index qui comptent, etc., eh ben, euh, j'étais assez satisfait du, du travail qui est, que, que j'avais réalisé. Donc, euh, je vous livre un petit peu aujourd'hui euh, un peu ma, ma botte secrète euh, du, euh, du, euh, du, du C Avancé sur de la gestion de pointeurs intelligents. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que vous allez réussir à réutiliser un petit peu tout ça. Encore désolé pour tout à l'heure pour le, le souci qu'il y a eu. Euh, franchement, je, je sais pas. À mon avis, c'était une merdouillette qui euh, qui, euh, qui traînouillait quelque part. Mais en tout cas, si vous avez aussi d'autres attributs ou d'autres techniques un peu euh, malignes pour faire euh, des choses un peu inattendues euh, en C, et eh ben écoutez, euh, faites-le-moi savoir. Et, euh, et voilà. D'ici là, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.